Bonsoir, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Me voici au parc des expositions où se déroule un dîner-spectacle organisé par l'association Jumaca. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. C'est parti! Bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous présenter votre association ? Eh bien, nous sommes une association de famille. Notre association a 5 ans aujourd'hui. Nous avons créé cette association parce que nous sommes concernés par la maladie dans la famille. Et donc, on fait un dîner-spectacle tous les ans qui se déroule le dernier week-end d'octobre. Et les bénéfices sont reversés à vaincre la mucoviscidose. Voilà, donc ça fait au jour d'aujourd'hui, nous avons reversé 34 000 euros à la recherche. En quelques mots, pouvez-vous expliquer ce qu'est la mucoviscidose ? Eh bien, la mucoviscidose, alors c'est une maladie génétique qui touche les organes vitaux, donc les poumons. C'est vrai, tu sais ? Vas-y. Tu veux dire quelque chose, quelques mots ? Tu veux expliquer ce qu'est la mucoviscidose ? Bah, la mucoviscidose, c'est une maladie des poumons, du foie et du pancréas. En fait, Camille, c'est mon petit neveu. C'est votre petit neveu. C'est moi qui ai la mucoviscidose. Voilà. Donc, Jumaca, alors, comment est venu Jumaca ? Parce que Jumaca, c'est les trois premières syllabes de nos enfants. Alors, Juliette, Martin, qui sont mes enfants, et Camille, qui est mon petit neveu. Voilà. Donc, c'est la maman de Camille et sa sœur, donc ma femme, qui ont trouvé le logo. Voilà. Et comme on vit, on est inséparables, voilà, donc on a créé ce logo. Et donc tu as aidé avec les bénévoles à préparer tout ça ce soir ? Bah non, mais moi je suis la sécurité, c'est pour ça. T'es la sécurité ? Oui. Ah bah oui, je vois ça. Mais c'est bien, petit et grand, s'ils se mobilisent pour cette action. Oui. Bah, y a aussi ma fille qui est aujourd'hui bénévole, qui sert, donc on est une grande famille. Et combien de bénévoles ce soir pour cette soirée ? Alors il y a 32 bénévoles et il y a 10 bénévoles à la technique. Parce qu'il faut savoir que la technique c'est bénévolant aussi. D'accord. Et combien de personnes ont répondu présent ? Ce soir 400 personnes. C'est beaucoup. Ouais. Ouais, c'est une moyenne. On fait à peu près 400 personnes tous les ans. À peu près. Donc c'est pour ça que on est dans le grand hall cette année parce qu'on aimerait bien agrandir un petit peu en nombre de places. Voilà. Mais c'est partie remise, l'année prochaine on fera mieux. Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors tu es notre grand gagnant de TV Lisieux. Est-ce que tu es content d'être là ce soir ? Ah bah, je suis très content d'avoir gagné déjà et d'assister à un tel événement, en plus pour une bonne cause puisque c'est contre la mucoviscidose et l'association Jumaca. Et c'est la première fois que j'y assiste d'ailleurs. D'accord. Et que penses-tu de l'ambiance ? L'ambiance est très décontractée et puis très bon enfant comme vous pouvez voir. Tout le monde applaudit, tout le monde est réuni pour un même événement et c'est super. Et tu as mangé tout à l'heure, que penses-tu du repas ? Le repas était... Il n'y a rien à dire, hein. C'était bon. D'ailleurs, il n'y a plus rien sur la table, c'est que tu as tout mangé. Exactement, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné ? De Castille. Une magnifique lampe, alors, superbe. Vous avez pris combien de tickets ce soir ? 10. J'en profite. Pour vous applaudir. Et alors, une bonne surprise ? Eh oui. J'en profite. Merveilleux. Est-ce que vous pouvez montrer un peu plus ? Ils sont formidables. Alors, pourquoi vous êtes venu ce soir ? Bah pour aider l'association Jumaca, on est une équipe de motards et on est venu exprès de Paris. De Paris, d'accord. Mmh. Et est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce dîner spectacle ? Moi oui. Et vos amis ? Non, ils viennent depuis longtemps. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je me présente Jean-Claude. Alors pourquoi vous êtes là ce soir ? Ah voilà, je suis pas de cette région, je suis de Dreux.
Vous venez de Dreux. Et vous êtes... Et voilà, et ce sont des amis qui m'ont dit qu'il y avait un petit spectacle, hein, à l'association. Est-ce que c'est la première fois que vous participez? C'est la première fois. D'accord. Et que pensez-vous de l'ambiance? Ah, c'est terrible. C'est terrible, terrible. C'est superbe. Là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Sandrine et je suis maman d'une jeune femme qui a la mucoviscidose, qui a 24 ans. Et voilà. Et donc je participe à Jumaca justement pour pouvoir faire avancer les choses. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce dîner spectacle ou vous participez auparavant? Ça fait 2 ans. D'accord. C'est la deuxième année. Et un petit mot en fait à TV Lisieux, il y a l'association Jumaca qui vont vous regarder ce soir. Hein? Vous avez un petit mot à dire? Bah, que c'est une super soirée et qu'ils continuent pour faire avancer la recherche. Et d'où est-ce que vous venez? Du Havre. Ah, vous venez de Simoin quand même? Oui, quand même, ouais. Bonsoir les filles. Bonsoir. Est-ce que c'est important pour vous d'être là ce soir pour l'association Jumaca? Bah, bien évidemment, c'est toujours très important de représenter les associations qui soutiennent notamment des maladies si importantes comme la mucoviscidose. Oui, donc on a fait la route pour venir ici et on était très heureuses de participer à cette très belle soirée. Et vous venez d'où? De Paris. D'où est-ce que vous venez? On vient de Paris. Ah oui, quand même. Et vous êtes arrivés ce matin? Oui, dans l'après-midi, on a fait le trajet en voiture, tranquillement. On aime bien faire des petits road trips ensemble. Toutes les trois en voiture, voilà. On chante à tue-tête. Tout à fait. Et est-ce que vous avez un petit mot à adresser à TV Lisieux, juste là? Bien, peut-être, tu veux dire un mot? Bah, surtout de soutenir l'association Jumaca qui est quand même le thème de la soirée de ce soir et voilà, de penser à tous ces malades et ces petits-enfants qui ont la mucoviscidose. Voilà. Et on a découvert Lisieux et c'est une ville magnifique. Et oui, on est fiers d'être ici. Merci les filles. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce dîner spectacle? Ben, cela va faire la 7e soirée que nous venons passer à Jumaca. Et que pensez-vous de l'ambiance ce soir? Oh ben, une super ambiance, comme d'habitude, tous les ans. C'est une ambiance extraordinaire. Merci à tous les gens bénévoles ce soir de nous rendre une soirée aussi agréable. Merci. Et c'est pour la bonne cause. Voilà. Merci. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.